présente M. Germain Bouteau, qui est maître de conférence à l'Université de Nice. Il a fait son doctorat sous la guerre et vie publique au comte à Venassin et à Avignon, 14e, 15e siècle. Et à ce moment, il travaille sur l'enquête générale de 1333 sur la Provence et aussi en liste des officiers du pape Benoît XIII et beaucoup d'autres choses, par exemple sur la coûte de la guerre et la défense des villes. Il va parler sur les mercenaires et les routiers actifs dans la guerre de l'Union de Aix aux années 80. Merci beaucoup. Durant les années 1380, les Provençaux se divisèrent et s'affrontèrent dans une véritable guerre civile. Cette guerre a beaucoup moins d'ampleur et d'intensité que la guerre civile de Bretagne, la guerre de succession de Bretagne. Mais on retrouve des points communs, notamment cette guerre entre localités voisines, entre seigneurs voisins, une décomposition politique profonde du pays et... ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, le fait que de nombreux mercenaires et routiers sont venus servir dans cette guerre. Alors, cette guerre a aussi une conséquence durable, c'est ce qu'on appelle traditionnellement la dédition de Nice à la Savoie en 1388. Donc, il y a une séquelle très longue durée, c'est qu'une partie de la Provence a fait sécession, le pays niçois, en 1388, à la fin. Et Nice a été gardée par la Savoie jusqu'en 1860, donc il y a eu un colloque en 1988 qui a permis de faire quand même le point sur cette guerre, et notamment un article fondamental que j'ai beaucoup utilisé, et notamment les cartes que j'ai un peu... c'était les cartes notamment d'Alain Venturini que j'ai un peu transformé, mais un article de 100 pages sur la guerre de l'Union d'Aix d'Alain Venturini que je voulais mentionner. Alors je vais juste rappeler un peu l'origine de cette guerre. Donc c'est à la fin du règne de Jeanne Ière, reine de Naples et comtesse de Provence. Elle avait d'abord adopté, sans enfant, donc elle avait adopté comme Charles de Duras en 1373. Puis en juin 1380, elle choisit comme nouveau fils adoptif Louis Ier d'Anjou, frère de Charles V. Au départ, c'est secret. Et puis la nouvelle se diffuse. D'autre part, elle choisit comme soutenir le pape Clément VII, alors qu'avant, elle soutenait Urbain VI. Et du coup, ces deux décisions sont mal comprises par les Napolitains. Et Charles de Duras, en juillet 1381, est suffisamment en force pour s'emparer de Naples. Et le 25 août, Jeanne Ière devient sa prisonnière, donc 25 août 1381. Alors Louis Ier d'Anjou, face à l'évolution très rapide des événements au départ, pense abandonner la partie, et puis finalement il est convaincu par Clément VII d'intervenir, donc il promet de sauver la reine, la libérer, et de conquérir le royaume de Naples. Donc début 1382, il est à la cour d'Avignon. Son armée est rassemblée, elle quitte la région d'Avignon le 13 juin 1382. Il a à peine eu le temps de nouer des contacts avec quelques Provençaux, et le pays est bien plus divisé qu'il ne le pense. Alors sur la carte, on a un bilan un peu des divisions en 1383-1384. Donc ce qu'on peut dire en 1382, c'est qu'on a la région d'Apt qui le soutient, la noblesse d'Apt. Région d'Apt, c'est le comté de Fort-Calquier. On a Marseille, surtout, qui est le principal soutien. Donc parmi la noblesse du pays d'Apt, on a les Agoux et les Simianes, qui sont vraiment des familles puissantes. Après, les autres régions sont dans l'expectative. La reine Jeanne est assassinée par étouffement donc le 23 juillet 1382. Charles III, qui a commandité l'assassinat, arrive à cacher sa responsabilité. Il est reconnu donc comme roi légitime, et puis il s'occupe d'abord dans le royaume de Naples, puis il s'occupe de la Provence, il nomme un sénéchal, le génois Balthazar Spinola, le 16 novembre 1382, et désormais on a un agent de Charles III de Duras qui va être actif, et du coup, ceux qui étaient dans l'expectative, une partie va reconnaître Charles III de Duras, donc à la fin 1382, début 1383, on a les gens de Nice, de Draguignan et d'Aix
qui reconnaissent officiellement comme roi Charles III de Duras. En revanche, vous voyez en blanc, et c'est l'article d'Alain Venturini qui l'avait montré, de nombreuses villes, communautés choisissent de ne pas reconnaître Charles III, de ne pas choisir d'être neutre et se dire fidèle à la reine Jeanne, et ça même jusqu'en 1389. On fait comme si elle était encore vivante pendant de longues années, après son décès qui est jugé évidemment dans des circonstances particulières. Donc à partir de 1383, on a des opérations militaires qui vont commencer. Et ce qui va nous intéresser, donc, c'est l'intervention des mercenaires et des routiers. C'est pas la totalité du conflit, même si ça pourra sembler peut-être un peu trop pointilleux. Je m'en excuse par avance. On pourrait encore rentrer dans les détails avec les archives locales. Et puis, par exemple, évoquer la guerre maritime, qui est assez importante et bien documentée par les archives de Marseille. On a vraiment des opérations navales assez bien documentées. D'autre part, il y a un autre pan d'étude, c'est l'étude diplomatique, parce qu'il y a un document qu'il faut évoquer, c'est le journal de Jean Lefebvre, évêque de Chartres et chancelier du duc d'Anjou. Donc dans ces années-là, 1382, 1381, 1388, il est vraiment en Provence, et au jour le jour, donc, il nous renseigne sur les conseils, les décisions. Donc on peut faire une histoire diplomatique extrêmement précise de ce conflit. Donc on va d'abord étudier de façon chronologique le rôle des mercenaires dans la guerre civile. Et puis après, le plan est simple, en deuxième partie, c'est de voir un peu, avec un peu de recul, la trajectoire de ces mercenaires. Est-ce que ça a été un épisode transitoire ou est-ce que certains se sont installés ? Donc dès janvier 1383, le pape Clément VII recrute quelques hommes d'armes, une cinquantaine, parmi eux un étranger qui vient de loin, Guillaume de Robergue, qui vient de l'actuel Pas-de-Calais, avec 11 hommes d'armes. Puis les troupes grandissent jusqu'en mars, à peu près 150 lances, et et on va attaquer la ville de le village de Lançon. Pour libérer la route entre Avignon et Marseille, on a cette localité de Lançon qui est importante. Donc en mars-avril, les 150 lances payées par le pape vont attaquer Lançon, ne vont pas prendre cette localité. Dès cette époque, on voit des mercenaires qui sont actifs, Guillaume Chamisard, Perrault de Termes, Guillaume de Seigne, que je vais souvent évoquer, qui sont payés en avril et juin. Par exemple, on a des associations de mercenaires qui commencent à arriver. Après l'échec devant Lançon, les troupes occupent Puy-Sainte-Réparade, qui est un fief de l'archevêque d'Arles, et on voit un routier qui devient connétable, Perrault de Pradines, qui est sans doute un Auvergnat. Alors ces opérations qui commencent de façon modeste sont une sorte d'avant-garde pour une expédition plus importante. C'est le sénéchal de Beaucaire, Enguerrand Dedain, qui en avril 1383 est allé à la cour et, je cite, il a exposé qu'il ferait merveille en Provence par manière de compagnie. Donc il a rassemblé des troupes pour attaquer la Provence. Entre-temps, la guerre de Flandre a fait que beaucoup moins de troupes sont venues. Le conflit en Flandre avec la croisade de Flandre de 1383 fait que des troupes sont retenues au nord, donc il arrive avec moins de troupes que prévu, mais c'est quand même important, localement, peut-être 300 lances, et en juin, donc, il envahit la Provence, il franchit la Durance, et il va occuper des localités au nord d'Aix-en-Provence, pour ensuite faire le siège en juillet. En même temps, Marseille prend Roquevert et Auriol, qui étaient des localités ennemies, et puis Marseillais et Sénéchal de Beaucaire s'allient pour faire un siège qu'ils n'arrivent pas à faire en juillet-août d'Aix-en-Provence. Le siège est levé, et ensuite d'autres localités sont prises. Au total, fin 1383, le Sénéchal de Beaucaire contrôle 8 localités. Je vais essayer de les montrer. Donc, Entresang, Lamanon, Malemort, Saint-Cana, Pérol, puis Sainte-Réparade, c'est des hommes payés par le pape, et puis au sud, Bouc-Bel-Air et Roquefeuille, commune de Pourrières. Donc, 8 localités, ces localités vont être tenues par le sénéchal de Beaucaire pendant 4 ans. Au départ, c'est des occupations amies pour les Angevins,
Marie de Blois écrit au roi de France qu'il faut maintenir ces hommes qui sont payés par le pape et par les Angevins, mais surtout par le pape. Donc on a une occupation qui commence. Donc pour menacer Aix, effectivement, c'est vraiment dans les environs immédiats d'Aix. D'autre part, on a des routiers qui vont se disperser en Provence pour faire vraiment des opérations plus risquées. Alors je vais évoquer certaines affaires. La Valette, tout près de Toulon, qui est une ville farouchement carliste, puisque l'expression est employée à l'époque. Donc La Valette, c'est un routier qui s'appelle Antoine Bâtard de Théride, qui est capitaine de La Valette, hein, pour menacer Toulon. On a d'autre part Chamisard, qui lui va attaquer Moustier, donc au centre de la Provence. On a une compagnie, dont je ne connais pas le capitaine, qui occupe Montferrat et qui fait des prisonniers à Draguignan, on le sait par les notaires de Draguignan. Et puis ensuite, on a, plus vers la Provence orientale, hein, un certain nombre de fiefs qui vont être concédés à un capitaine. Bon, ça c'était... Alors pour l'affaire de Montferrat, simplement pour dire qu'on connaît cette occupation ennemie angevine par les notaires de Draguignan, hein, ils font plusieurs prisonniers, et du coup dans les notaires, les gens qui sont captifs doivent vendre des terres pour obtenir la rançon. Donc entre décembre et mars, quand on a le registre, on sait que les ennemis, hein, les ennemis de Montferrat font des prisonniers des gens de Draguignan, ça a l'air assez actif. Alors d'autre part, on a... Donc, ce qui est plus surprenant, dès février 1384, des fiefs qui sont concédés par le sénéchal de Provence, pardon, à un capitaine qui est Perrault de Termes, qui est un Auvergnat, et on lui concède ces fiefs que j'ai indiqués en rouge. On a Salagriffon, Garce, Briançonnet et un peu plus excentré, Trigance. Donc ça, c'est en février 1384. Donc ces fiefs qui sont concédés. Alors pour expliquer cette opération assez lointaine, le seigneur de cette région, le baron de Glandève, c'est pratiquement un lieu déserté, mais le nom est important, il est en même temps seigneur de Cuers, et donc il doit... On essaye de porter assistance à un seigneur très angevin, qui est un peu isolé, et ce qu'on apprend en la confirmation de la concession de ces fiefs en 1385, c'est que ces fiefs ont été conquis par Perrault de Termes, donc il a conquis ses fiefs, ses châteaux carlistes, et ils ont été concédés en fief. Donc je vais montrer, voilà la concession du sénéchal de Provence. Après, ça va être confirmé par Marie de Blois. Alors juste pour montrer, voilà, simplement cette région, hein, c'est la région très, très peu peuplée, qui n'est pas très connue, la vallée de l'Estéron, hein, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est assez frappant comme c'est très peu peuplé aujourd'hui, vraiment une région très sauvage. Et voilà, donc Briançonnet, la photo je crois qu'il va suivre, voilà. Donc ces trois localités, Garce, Briançonnet et Salagriffon, sont vraiment conquises. En revanche, Trigance, que je vais montrer maintenant, là les rebelles ont fait résistance. Donc la localité est concédée, mais elle n'est pas encore gagnée, ça on le sait en 1385. Donc là on voit un peu des capitaines qui s'aventurent dans les régions hostiles et qui font quelques conquêtes. Alors j'ai évoqué pour l'instant que le parti angevin, parce qu'on a très peu de renseignements sur l'autre côté, les mercenaires recrutés du côté de l'Union d'Aix, d'accord, les villes qui font opposition aux angevins. Le seul document que j'ai trouvé... à part le fait qu'on sait qu'ils viennent d'Italie, c'est un document ponctuel de janvier 1384 à Draguignan, où le marquis de Seva donne quittance à un homme d'armes qui vient de Brescia, Balthazar de Salis, et puis on voit hein, dans les témoins un autre Jean de Salis de Brescia, un homme de Milan, un homme de Pistoia, un homme de Plaisance. Donc on voit des chevaliers, des hommes d'armes d'Italie du Nord et qui se rendent au service de l'Union d'Aix. C'est pas étonnant parce qu'on a vu le sénéchal, c'est Balthazar Spinola. Et d'autre part, ce qu'il faut rajouter, c'est connu, c'est le rôle des Tuchins, quelques Tuchins qui quittent le Languedoc, qui s'installent dans ce très beau château de Roquemartine. Le chef des Tuchins, c'est Étienne Augier alias Ferragut, qui début 1384 occupe ce château de Roquemartine et va
semer un peu la guerre dans cette région. Donc la région qui est concernée, c'est cette région-là, Roquemartin. Voilà, c'est là. Et donc c'est cette région où les Tuchins sont actifs, aux environs de Tarascon. L'Orade, Mayanne, qui sont occupés par des Tuchins. Alors, on est en 1384, je vais un peu accélérer. Nouvelle expédition qui est un échec pour prendre Lançon. Hein. Lançon, en 1384, résiste encore. Donc, malgré la mobilisation du pape, des gens du comté vénétien, des communes locales qui descendent jusqu'à Lançon, la localité qui devait se rendre d'après contrat le 3 avril ne se rend pas. Elle n'a pas de secours, mais elle ne se rend pas. Et d'autre part, ce qui devient compliqué désormais, c'est qu'à partir de 1384, les troupes, les garnisons du sénéchal de Beaucaire deviennent de plus en plus hostiles. Elles reçoivent des renforts et la politique, petit à petit, des Français change. C'est-à-dire qu'ils commencent à penser que ces garnisons du sénéchal de Beaucaire pourront servir pour gagner, emporter la Provence. Donc ces rumeurs commencent à circuler en 1384 que peut-être il y aura une mainmise de la France sur la Provence. On a des négociations. Mort de Louis Ier d'Anjou, donc en Italie, en septembre 1384, qui change un peu la donne, qui arrête les négociations. Désormais, à partir de 1385, ça va être Marie de Blois, donc la veuve, qui va vouloir que son fils s'impose d'abord en Provence. Donc la priorité est donnée à la Provence. En 1385, Marie de Blois va descendre à Avignon, puis ensuite essayer de conquérir ce comté de Provence. Alors, point de vue militaire, ce qu'on connaît à cette époque, en 1385, c'est un reflux de gendarmes. Alors, ils occupent le comté vénétien, mais je vais aller plus vite. On a un traité d'évacuation qu'on ne connaît pas, mais on connaît les conséquences financières. Pas la précédente. Non, c'était le... Voilà, c'était simplement... Voilà, bon. Parce que je suis un peu long. En fait, les troupes quittent la Provence et occupent cette région-là, la principauté d'Orange, la région de Carpentras. Et ensuite, elles vont être évacuées à Pont-Saint-Esprit. Et le 17-18 avril 1385, on a les paiements qui sont faits aux troupes qui évacuent la région. Et c'était ça qu'on a vu dans le tableau. Vous voyez, on voit que c'est principalement des... On voit... En fait, ce sont principalement des Bretons, vous voyez le bas du tableau, donc ça fait 336 lances, il y en a 12 qui sont Guyot d'Estaing, un petit détachement de troupes, et puis les autres, ces petites compagnies d'hommes d'armes, en fait, ils sont tous Bretons, donc évacuent la région. Pour 4 de ces hommes d'armes, on est sûr qu'ils ont servi en Provence. Mais les autres, c'est pratiquement sûr, soit directement au service des Angevins, soit au service du sénéchal de Beaucaire. Alors les autres qui sont mentionnés, capitaine payé par Clément VII, c'est des gratifications, c'est pas des paiements continus, mais on remarque Juel Roland, qu'on a vu employé par Metz en 1371, et puis Armand Jam connaît bien son service en Italie. Là, il est actif, mais de façon discrète. J'en profite pour faire une parenthèse, et après, il va rester dans la région, c'est le seul cas. Il épouse une parente du prince d'Orange, de la famille des Beaux, un seigneur de Condorcet, et sa famille reste et attestée en Dauphiné, encore à l'époque moderne. Donc c'est le seul mercenaire qui s'implante localement, et ce Juel Roland. Mais là, il ne joue pas un rôle important. Alors cette évacuation des hommes d'armes pourrait faire penser que finalement la guerre est moins intense en 1385, et c'est contradictoire, parce que la nouveauté du côté de l'Union d'Aix, c'est la politique de Tarascon. La ville de Tarascon, qui était agressée par le sénéchal de Beaucaire, décide de se lancer dans la guerre, alors que jusque-là, elle était neutre. Alors voilà, justement, c'est cette lettre du sénéchal de Beaucaire qui est très intéressante, 24 avril 1385, c'est Enguerrand de Dun qui fait le rapport à la Cour des comptes de Paris pour les gens de Beaucaire. Et on voit la ville de Tarascon, qui est voisine front à front de Beaucaire, s'est rebellée depuis 3 semaines. Ils sont descendus environ 800 combattants, tant italiens, gascons, anglais et autres nations, qui font la guerre à Tarascon, au cri de Guyenne Saint-Georges. Alors, c'est le seul renseignement qu'on a sur italiens, gascons et anglais. 800 combattants, c'est un effectif important. Donc Tarascon se lance dans une guerre tout azimut en Languedoc et contre les Provençaux. On a 2 autres actes qui montrent cette intensité. Du coup, le pape intervient, 300... lances qui sont mobilisées pour attaquer Tarascon. Donc là,
Voilà, donc une petite guerre locale dans la région de Tarascon, je ne rentre pas, il n'y a pas trop de conquêtes, mais une intervention du pape contre la ville de Tarascon. À cette époque, le contexte diplomatique évolue, puisque cette fois, ouvertement, le roi de France a un projet de mainmise sur la Provence. C'est le 10 juillet 1385 que Charles VI déclare prendre sous sa main la Provence et se réserver la décision de l'attribution. Il y a des négociations directes entre l'Union d'Aix et le roi de France. Et l'avocat de cette solution, c'est Enguerrand de Dun, qui est allé à Paris, qui a fait un rapport, qui a été édité depuis bien longtemps, mais qui il dit on peut gagner la Provence, et lui il fait... Et la rumeur, en septembre, dit que la Provence pourrait devenir comme un dauphiné, une sorte de dauphiné. Alors Marie de Blois refuse évidemment cette solution, n'accepte pas les trêves qui sont signées entre Union d'Aix et Enguerrand de Dun. Donc ces hommes continuent à faire la guerre, et puis les capitaines qui faisaient la guerre continuent à le faire. Alors notamment un qui est Guillaume de Seigne, qui pille la région de... Voilà, la région de Ries, au centre. Donc Guillaume de Seigne, on a aussi des pillages dans la région de Barcelonnette. Et puis finalement, de façon assez inédite et surprenante, il y a une trêve qui est signée de 20 mois entre l'Union d'Aix et Marie de Blois. Finalement, pendant 20 mois, la trêve est signée à partir du 1er novembre 1385. Alors pendant la trêve, on a du coup évidemment une activité de guerre qui est moins intense, mais pas tout à fait, qui disparaît pas tout à fait. Alors certains capitaines sont recrutés, les plus fiables, pour appuyer les négociations avec les villes qui désormais vont choisir le camp angevin. Alors simplement, je ne rentre pas dans les détails, mais on voit que la situation a évolué en 1385-1386. Voilà, ça c'était la situation avant. On voit que toutes les villes qui reconnaissaient la reine Jeanne sans avoir choisi font le choix de reconnaître Louis II d'Anjou, Marie de Blois en 1385-1386. Donc tout ce qui était blanc devient rouge. Et puis donc on peut donner l'exemple de Grasse qui choisit le camp angevin. Et pour faire pression sur les Grassois, on a Bertrand Boitard, qui est un Breton qui est au service de Marseille, qui vient sur place, en tout cas pour être là parmi la négociation avec les Grassois. Et puis la nouveauté, c'est Brignoles, qui était depuis le début hostile aux Angevins, qui choisit le camp Angevin. Et là, on voit sur la carte, Brignoles, ça permet, vous voyez, d'isoler un peu Aix-en-Provence. Et là, on a Bertrand Boitard qui est de nouveau à la manœuvre, le bâtard de Théride et un Provençal qui est présent. Alors pendant cette période, donc là on est en 1386, on avance quand même, on a toujours les capitaines qui ne sont pas contrôlés, qui continuent. Guillaume de Seigne, en janvier 1386, pille Seine-les-Alpes. Après il va occuper la localité de Beynes, près de Digne. Donc lui, Seine-les-Alpes, c'est là. Donc lui, il continue à faire la guerre. Guillaume, et finalement c'est le pape qui négocie une évacuation des troupes les plus qui perturbent le plus. Donc Guillaume Chamisard, en mai 1386, il évacue la région, puis Guillaume de Seigne et Perrault de Termes, les deux frères d'armes, évacuent la région en juillet 1386. Alors à cette époque, on a un nouvel acteur qui rentre dans le jeu, très rapidement, de façon ponctuelle, je ne vais pas développer, c'est le neveu de Grégoire XI qui est Raymond de Turenne. Alors il avait perdu son château d'Oreille en février 1386, donc il commence à être mécontent en février 1386, et puis surtout, il va perdre Saint-Rémy de Provence, donc Oreille, c'est au sud, voilà, c'est là, et Saint-Rémy de Provence, un peu, voilà, ici, se rebelle, se donne aux Angevins, et donc là, il va faire la guerre pour récupérer Saint-Rémy de Provence, donc une petite guerre dans cette petite région, hein, au nord de la Vigrie de Tarascon. Le pape mobilise une armée, et notamment, il prend le château de Castillon, c'est un site assez beau, trois tours qui défendent, hein, cette hauteur. Donc le château de Castillon est pris par l'armée qui est en train de contrecarrer Raymond de Turenne. Et là, en novembre 1386, alors que la situation de Raymond de Turenne est difficile, il vient de perdre, un mercenaire arrive. Alors c'est un mystère l'origine de ce mercenaire, il s'appelle Vita ou Vite de Blois, mais la source qui nous renseigne sur son arrivée,
qui est un Italien d'Avignon, qui écrit à Francesco Di Marco Dattini, nous dit « Il se dit être de Prato ». Alors il s'appelle Vita de Blois, et en latin Blésis, et la source qui nous renseigne, 19 novembre 1386, il dit être de Prato. Et il a l'air plutôt d'avoir des troupes gasconnes, donc là c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Alors il est important parce qu'on va voir éventuellement le Basco de Mauléon, qui est son compagnon d'armes tout de suite après. Donc 1387, l'arrivée de ses troupes fait que finalement le traité de paix avec Raymond Turenne est plutôt avantageux pour lui, il récupère Saint-Rémy, il est dédommagé et il doit évacuer ses troupes, dont Vite ou Vita de Blois. Alors, Vita de Blois va rester sur place. En revanche, les hommes d'Enguerrand de Dun quittent la région avril-mai 1387. Et quand ils quittent la région, on leur trouve une porte de sortie. C'est le conflit en Espagne. Et les troupes de Guillaume de Nayac et de Gaucher de Passa qui sont là à Carcassonne et qui attendent l'arrivée de ces troupes françaises qui, on leur trouve la porte de sortie et la direction pour aller vers l'Espagne. Alors, à cette époque, donc on a une accalmie quand même, parce que ce danger depuis 4 ans des troupes du sénéchal de Beaucaire s'estompe. Donc on a, là on va passer vite, on va voir qu'en 1387, ça devient franchement rouge, Angevin. Alors on a quelques points de résistance qui vont juste nous retenir rapidement. Et c'est là où on retrouve Vita de Blois, c'est la région de... Voilà, pardon. Flayosque, alors c'est tout près de Draguignan, vous voyez peut-être, c'est ici, et Régus. Alors que Draguignan a choisi les Angevins en juillet, que Aix abandonne l'opposition et se reconnaît en octobre Marie de Blois et son fils Louis II, on a quelques garnisons hostiles. Donc Flayosque, c'est Vita de Blois, et le 7 septembre, première mention de Gaillardet de Mauléon. Et selon toute probabilité, ce Gaillardet de Mauléon, c'est, comme l'article de Guillaume Pépin a soumis l'hypothèse, qui me semble très bonne, c'est le Basco de Mauléon. Alors pourquoi on va le voir, il va vendre Flayosque le 7 décembre 1387. Et alors c'est pas le Basco de Mauléon, mais si vous voyez, on voit Gaillardonus de Mauléon, Vasco, capitaine, et son compagnon d'armes, Vita de Blois, qui le 7 décembre vendent Flayosque à Antoine de Villeneuve et son frère pour 1500 florins. Donc là, ça confirme que l'hypothèse que ça soit le Basco de Mauléon, c'est qu'il faut se souvenir qu'il y a un lien avec les Turennes. D'accord, Vita de Blois vient pour sauver les Turennes. Et la dernière mention qu'on trouve en Languedoc de Basco de Mauléon, c'est en 1384, quand il est un peu conseillé pour prendre une forteresse de Porte pour le vicomte de Turenne. Donc ce lien, le dernier connaissance qu'on a sur Basco de Mauléon, c'est un lien avec les Turennes. Et le premier renseignement sur Gaillardet de Mauléon, c'est compagnon d'armes de Vita de Blois, qui est le principal capitaine de Raymond Turenne, ou, puisque c'est dans la famille de Turenne c'est particulier, c'est qu'on a la mère de Raymond Turenne qui continue la guerre, qui est Aliénor de Comminges. Alors elle a son château qu'elle contrôle parfaitement, c'est Mérargues et les Peines Mirabeau. Alors, juste une anecdote, même si je suis un peu en retard, parce que c'est rare qu'on ait ce type d'anecdote. Donc en avril 1386, elle est farouchement contre les Angevins. Des poissonniers passent autour de son château de Mérague avec le penon de Louis d'Anjou, et voilà ce qu'elle leur dit. Elle leur commande qu'ils mangeassent le penon du roi Louis, et le dit penon par page fit traîner et au pied défoulé, et les dit poissonniers mis à rançon et prison. Donc là, elle est farouchement contre les Angevins, parce qu'elle est parente de Charles de Duras, et donc elle continue la guerre à partir de Mérargues. Pendant ce temps, on a, mais là je passe, Guillaume de Seigne qui continue aussi la guerre. Alors, j'en arrive, donc on est à la fin, l'extrême fin de l'année 1387. Les troupes qui étaient fidèles jusque-là, les derniers mercenaires qui sont au service des Angevins, ne sont pas payés. Du coup, ils choisissent de faire pression sur les payeurs, donc le pape et les Angevins. Donc ils occupent une toute petite localité près d'Avignon. Ils font captif fin décembre 1387 Balthazar Spinola, et ils ne le libèrent qu'après avoir été payés. Donc ces deux capitaines, c'est Jean de Grolet et Bertrand Boitard, qui étaient... Donc début 1388, ils sont payés, ils sont graciés,
et on leur tient aucune rigueur de leur coup de force, c'est-à-dire faire un prisonnier, occuper un château, et ils sont tout de suite réemployés au service de, des Angevins. Alors le sénéchal de Provence, ce qu'il lui reste à faire, c'est faire la guerre à Aliénor de Comminges, donc il fait le siège de Pennes, et là on retrouve Gaillardet de Mauléon. Bon, là c'est Mérargues, le château, et là Gaillardet de Mauléon, qui est capitaine de Pennes-Mirabeau, à 17 km au nord de Marseille, en mars 1388. Après, il évacue la région, et il va se réfugier en Provence orientale. Là, on arrive au bout. Je m'excuse, hein, j'avais prévenu que c'était un peu long et laborieux, ce conflit. Donc, en 1388, désormais, il n'y a que la Provence orientale qui est du côté hostile aux Angevins. Négociation entre le seigneur de Beuil et le comte de Savoie. 2 août 1388, le seigneur de Beuil promet de donner la Provence au comte de Savoie, qui du coup en septembre fait une expédition très rapide, hein, il arrive à Barcelonnette mi-septembre, et le 28 septembre les Niçois se donnent au comte de Savoie. Le même jour, le sénéchal de Provence, Georges de Marlioz, qui avait commencé un siège de Nice, et le même jour, le 28 septembre, il est à Guillaume, donc il s'est replié, il ne veut pas attaquer son seigneur féodal qui est le comte de Savoie. Alors on retrouve nos mercenaires. Donc Gaillardet de Mauléon, il vend Gatière. Gatière, c'est tout près du Var. Il le vend pour 2000 florins le 25 octobre. Et puis Vita de Blois, lui, le 3 novembre 1388, il s'engage au service du comte de Savoie avec 25 lances. Et à cette époque, c'est la dernière diapo de cette première partie, la deuxième sera beaucoup plus courte. Ce qu'on apprend, c'est que Vita de Blois occupe une forteresse en Provence même. C'est la forteresse de Torrent. Vous voyez, c'est ici. Alors c'est un site très beau, qui est tout à fait apte pour occuper une garnison ennemie. Voilà, c'est ce site, ce village déserté à l'époque. Voilà, pardon. Voilà, c'est ce site de Torrent. Qui est la dernière forteresse de capitaine. Donc voilà, on voit le rempart qui suit cette butte. Donc ça, c'est en 1389, il reste cette localité qui est tenue par Vita de Blois. Quand la trêve est signée un an plus tard officiellement, elle est encore tenue, puis ensuite la paix est faite. Donc je vais évoquer maintenant, avec un peu plus de recul, la trajectoire des routiers en 10 minutes. Il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, au total, on peut voir à peu près 34 capitaines extérieurs qui interviennent dans ces routiers, principalement du côté angevin. On n'en a que 3 qui sont extérieurs au Royaume de France, donc Guillaume Chamisard qui est de Savoie, Jean de Foissoiron, Fausseron ou Faucheron, qui est de Besançon, qui est un des capitaines d'Enguerrand de Dain, et puis un Allemand qui s'appelle Hannequin ou le Grand Hannequin, qui est capitaine de Lavalette, près de Toulon, en 1387. Tous les autres sont du Royaume de France. Mis à part les noms qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire les Italiens et les Anglais, et les Gascons du parti anglais. Voilà, j'ai fait de façon un peu simpliste. Alors, du nord de la France, on a Guillaume de Roberg, qui vient. Roberg, c'est dans le Pas-de-Calais. Hein. Alors, lui, on le suit très longtemps. Depuis 1361, il a fait le siège de Pont-Saint-Esprit. On le voit au service du duc de Berry. Et il devient capitaine de Puy-Saint-Réparate. Enguerrand de Dain, donc aussi un Picard. Alors Enguerrand de Dain, juste en même temps qu'il a une politique très active, il règle une vieille affaire. Il a épousé Jeanne de Châteauvillain, qui était l'épouse de l'archiprêtre. Il a un fils qui est Philippe, et il est tuteur de ce fils Philippe. Et en 1384, pendant qu'il est à Avignon, il règle cette histoire, c'est que l'archiprêtre Arnaud de Servol avait prêté 200 francs à Francesque de Périos, qui est amiral de France, et du coup en 1384, le fils de Francesque de Périos, Ramon de Périos, paye les 200 francs à Philippe sous la tutelle d'Enguerrand de Dain. Voilà, ça c'était juste un détail pour montrer qu'Avignon est un point de convergence aussi des capitaines pour d'autres affaires que simplement la guerre. Alors la Bretagne, on a 12 capitaines qui sont originaires de Bretagne sur les 34, donc c'est le plus fort contingent. Le capitaine le plus actif, c'est Bertrand Boitard, de 1384 à 1388. C'est aussi celui qui a la meilleure réputation. Et donc,
ça, c'est une carrière très longue pendant toute la guerre. À l'inverse, un Breton qui n'est là que quelques mois, Hervé Le Scarabin. Alors, d'Aquitaine, voilà. D'Aquitaine, on en a assez peu de personnes. Antoine Bâtard de Théride, Jean de Grolier, Gaillardet de Mauléon. D'Auvergne, on a plusieurs personnages qui sont importants, notamment Guillaume de Seigne, Perrault de Termes, qui sont les plus actifs. Et ce que je voulais, ce qu'on voit ici, c'est le transfert entre le Languedoc et la Provence. C'était un point qui est important, quelle que soit l'origine en fait, des hommes d'armes. Ce qui est important, c'est de voir que plusieurs ont servi en Languedoc. Donc ça, c'est un tableau qui indique les effectifs qu'on connaît en juin 1380, quand les hommes d'armes sont au service du duc de Berry, et les effectifs en juin 1382, quand on a un contrat d'évacuation du Languedoc. Donc là, on voit qu'on a trois groupes en juin 1382, des Bretons avec des fortes troupes, Geoffroy de Parthenay, Bertrand Boitard, Briand Blanchard, Guillaume de Garot et les deux autres. Eux, avec des fortes troupes, sont donc ça fait de l'ordre de, j'ai compté, 460 lances. Un deuxième groupe de Bretons, mais avec des troupes beaucoup plus faibles, qui se mettent à deux pour une capitaine de troupe de 40 hommes, ça fait 110 lances. Et puis une troupe d'Auvergnat, chambellan du duc de Berry. Et on voit, en fait, quels que soient les groupes qui sont évacués, la moitié à peu près sont au service en Provence. Ceux qui sont en gras, c'est ceux qui servent en Provence. D'accord ? Donc on voit, sur les 18, il y en a 8 qui servent en Provence, et on peut rajouter Chamizard, qui n'est pas évacué, mais qui était en 1381 au service du duc de Berry, et Guillaume de Robergue. Donc au total, la moitié, globalement, des capitaines qui sont au service en Languedoc se retrouvent en Provence. Donc là, c'était le point important. Hein. Donc la révolte des Tuchins qui s'étiole et qui est réprimée en 1383, une partie des hommes d'armes qui étaient à l'origine de cette révolte en Languedoc se replient en Provence. Alors, enfin, quelques indications sur les capitaines, leur carrière en Provence et après la guerre, pendant la guerre. Donc on a quand même deux décès de capitaines. Donc Antoine Bâtard de Théride qui meurt en novembre 1386 et avant Jean de La Nozière qui meurt dans une opération de guerre en octobre 1385. Donc un conflit qui est sans doute moins risqué mais quand même qu'à ses risques, à certains risques. En plus des payes, on a les affaires de prisonniers pour les revenus quotidiens des hommes d'armes. Là je mentionne juste, là j'accélère, voilà, les affaires de rançon qui nous renseignent cette fois sur les hommes d'armes. Donc là, deux affaires, deux diapos, septembre 1384, c'est des hommes de Bertrand Boitard. Donc là, un certain Malcastel qui fait un prisonnier pour 4 florins 6 gros, et puis un prisonnier qui paye un peu plus, c'est un Aixois qui est fait prisonnier par Étienne de Landa, 22 florins qui sont payés en rançon par cet Aixois, le homme d'armes étant de la compagnie de Bertrand Boissard. Donc là, on a d'assez nombreux actes de rançon pour les revenus. D'autre part, on a les concessions de fief. Alors, voilà les exemples. Donc on a vu celui de Perrault de Termes, Briançonnet, Garce, Salagriffon, Trigance. Guillaume de Seigne reçoit 3 fiefs, Anotte, Le Fugeret, Méaille, Bertrand Boitard, La Fin, La Barbenne, et Jean de Groyer en même temps, Saint-Symphorien, dans les Alpes de Haute-Provence. Et enfin, un Jean de Ligarde qui reçoit Flassan. Bon, on peut le voir sur la carte. Alors, je termine avec ceux qui sont restés sur place. Donc, certains sont restés. Alors, en fait, ce ne sont pas les concessions de fiefs qui ont permis de stabiliser, puisque tous ceux qui ont obtenu des fiefs dans le tableau les ont vendus dans un délai assez court. En revanche, certains sont restés. Donc, Gaillardet de Mauléon reste dans la région en 1300. Bon, là, c'était Guillaume de Seigne qui fait hommage. Voilà, c'était Méaille et... Voilà, là, c'est par contre, on retrouve Gaillardet de Mauléon. En juillet 1389, il est à Turin. Il fait des procureurs pour percevoir, récupérer les 2000 florins qui lui avaient été accordés pour la vente de Gatières. L'intérêt de l'acte, hein, c'est qu'il indique qu'il est originaire du diocèse de Dax et qu'il est de Gascogne, du diocèse de Dax. Ça, c'est donc juillet 1389. 29 novembre 1396, il est fait bail et capitaine de Barcelonnette et il entre en fonction le 4 janvier 1397. C'est cet acte que vous voyez.
En août 1399, il est capitaine de Puget-Théniers, c'est la dernière mention qu'on a de Gaillardet de Mauléon, capitaine de Puget-Théniers. Vita de Blois reste aussi dans la région. Il est aussi bien renseigné dans toutes les années 1390 et il est citoyen de Nice en 1400, donc il reste sur place. D'autre part, on a d'autres qui restent sur place en Provence même, Angevine. Donc Guillaume de Robergue, celui qui est originaire du Pas-de-Calais, lui, il devient provençal. Il se marie à Dauphine de Fort-Calquier. Voilà. Et il a une fille qui s'appelle Georgette et qui épouse un noble d'Arles. Et il y a son bâtard de Robert, qui est aussi en Provence, qu'on retrouve en Provence. Donc Guillaume de Robert, il devient un provençal. Guillaume de Seigne, qui était l'Auvergnat le plus... Guillaume de Seigne, lui, épouse une provençale. Et du coup, finalement, on a, d'autre part, certaines qui ne vont pas rester, mais qui vont être employées de temps à autre par les guerres en Provence. Puisque de 1389 à 1399, on a une persistance de la guerre avec Raymond de Turenne. Donc, plusieurs capitaines, je ne vais pas allonger une communication qui est longue, servent en Provence. Et d'autre part, donc certains continuent la carrière de routier hors des services du pape ou des Angevins, notamment Chamisard et d'autres que je pourrais évoquer. En conclusion, donc on voit que la guerre de l'Union d'Aix a un rayonnement finalement assez large, si on juge par l'origine des mercenaires, des routiers, leur nombre. En revanche, les effectifs sont assez modestes. D'autre part, on voit qu'une large partie quand même de l'entourage militaire de Louis Ier d'Anjou et du duc de Berry ont été employés dans ce conflit. Les profils sont contrastés de ces routiers. Bertrand Boitard fait figure de très bon routier. On a un texte que j'ai passé trop vite où on a les Provençaux qui l'admirent et qui l'apprécient en 1394. Donc un Breton qui est apprécié comme mercenaire. En revanche, Guillaume de Seigne, celui qui est le plus violent et aussi le plus noble, chambellan du duc de Berry, celui qui est marié à une Provençale. Donc on a des carrières qui sont assez étonnantes. Ce n'est pas le profil qu'on attendait. D'autre part, on voit qu'on a une facilité dans cette région à recruter des mercenaires. Et juste, vu que je n'ai pas évoqué d'anglais, il y a le seul renseignement que... Bon, là, c'était Bertrand Boitard. C'est un acte qu'on mentionne des Anglais, le seul que j'ai trouvé pour cette période, c'est un peu tôt, 5 novembre 1381, Jeanne Quint Bretonne, procureur de John Brice, compagnon de John Hopwood, qui, reconnaît, au nom de son patron, reconnaît devoir 200 florins à Strozzi de Florence. L'acte est conclu à Avignon, en novembre 1381. Tout ça pour dire que c'est très facile dans cette région de recruter des mercenaires. Ça explique un peu le va-et-vient rapide des troupes. Et puis, certains sont restés sur place. Donc, évidemment, ce qu'on peut retenir, c'est assez étonnant, effectivement, que le Basco de Mauléon est finalement choisi comme retraite le pays niçois. Après, sans doute une requête beaucoup plus paisible que la vie qu'il a menée. Après tout, il avait les mêmes goûts que les retraités de notre époque. C'était... Voilà. Merci beaucoup. Voilà.